Ça doit faire plaisir de rencontrer ses fans, mais ça doit surprendre de découvrir qu'ils chantent comme des pros. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des stars surprises par le talent de leurs fans. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les rencontres spectaculaires entre des stars de la chanson anglo-saxonne et leurs fans anonymes dont la voix les a totalement scotchés pendant un concert ou dans la rue. Numéro 10, un musicien de rue comblé. Ça relève presque du miracle. Lorsque ce chanteur de rue interprète I Got a Feeling des Black Eyed Peas à Hollywood, il ne s'attendait sûrement pas à ce que will.i.am débarque. Sur la vidéo, on voit la star sortir de sa voiture en scred et se glisser dans le public. Surpris et incapable de cacher sa joie, le jeune homme enchaîne avec un mash-up des tubes de l'artiste comme Power ou Where's the Love. Finalement, Will rejoint le chanteur pour un duo incroyable sur le trottoir. La star termine cette belle séquence par un message d'amour. Respect one another, no matter if you're black, if you're white, all lives matter. But right now, black lives matter. Because of the things that are happening to us right now. Numéro 9, Josh Groban chante avec une jeune femme. Everybody's so lovely looking in Montreal. Lors d'un concert à Montréal, Josh Groban prend un moment pour lire à son public la lettre d'une de ses fans qui rêve de chanter en duo avec lui. Bien entendu, Groban offre le micro à l'apprentie chanteuse. Ils reprennent ensemble un titre de l'artiste, To Where You Are. Quelle n'est pas sa surprise quand il entend la voix puissante et mélodieuse de l'adolescente. L'association de leurs deux voix donne un résultat spectaculaire et le public offre une standing ovation à la jeune fille à la fin de la chanson. C'est ce qu'on appelle un moment de grâce. Numéro 8, Jessie J chante avec une fan. L'artiste britannique Jessie J n'avait sûrement aucune idée du talent de cette fan. Pendant son concert à Denver, elle invite une jeune fille du nom de Vonnie à chanter avec elle sa chanson Price Tag. Au début, la timidité de Vonnie l'empêche de se libérer. La star lui conseille de se détendre, et lorsqu'on entend enfin la voix de la fan, Jessie est aussi surprise que le public. Elle se débrouille si bien que l'artiste la laissera chanter seule pendant un moment. À la fin de la séquence, elle va même écouter l'histoire personnelle de Vonnie. Jessie J, grand cœur, grande classe. Numéro 7, Charlie Puth fait chanter une fan. Durant l'un de ses concerts à Toronto en 2016, l'artiste américain Charlie Puth fait une découverte musicale véritable dans son public. Charlie, it's my dream to sing with you. I could try and make that happen. Il propose à une personne de la foule de venir sur scène, et c'est une jeune fille qui se voit accorder cet honneur. Ils s'assoient devant un piano ensemble et Charlie Puth commence à fredonner les paroles de sa chanson One Call Away sans imaginer que la jeune fille possède une si belle voix. Elle peut même chanter seule sur le titre pendant quelques instants. Charlie Puth est conquis et encourage son public à l'ovationner à plusieurs reprises. Numéro 6, Pink laisse place à une fan. C'est pas évident de tomber sur la perle rare en choisissant au pif dans le public, mais Pink l'a fait. Dans le cadre d'un festival à Londres en 2010, la chanteuse tend le micro à une fille du public pour chanter What's Up des Four Non Blondes. La fan en question, timide, est encore moins rassurée de voir Pink s'asseoir par terre pour l'écouter chanter. Lorsqu'elle se lance enfin, elle révèle une voix puissante et sans fausse note. L'audience est aussi étonnée que Pink qui l'applaudit et la remercie chaleureusement en déclarant simplement « Elle est tellement douée !» Numéro 5, Adèle fait monter une fan sur scène. La diva britannique Adèle est connue pour son timbre de voix unique et sa puissance vocale extraordinaire. Des capacités qui ne l'ont pas empêché d'être subjuguée par la jeune femme qu'elle a fait venir sur scène, Jamie Grace, lors de l'un de ses concerts en 2016.
Celle-ci n'a aucune difficulté à interpréter la chanson Can't Help Falling in Love devant une salle comble. L'artiste est interloqué dès les premières notes de la magnifique voix de la chanteuse. Coup de chance ou instinct musical ? Adele est en tout cas tombée sur une chanteuse hors pair. Numéro 4, Jason Mraz partage la scène avec un fan. Les jeunes hommes savent aussi très bien chanter, et c'est ce que nous prouve ce fan de Jason Mraz lors d'un concert de l'artiste en 2014. Hey man, come here for a second. Jason repère l'apprenti chanteur dans le public, car celui-ci joue de la percussion pendant toutes les chansons. Il l'invite donc à venir le faire sur scène, car il embête les gens autour de lui à force d'agiter son instrument. Ils reprennent ensuite ensemble la chanson Be Honest de l'artiste. Le fan, très enthousiaste, se trouve être en plus un très bon chanteur. Le duo d'un sort nous offre un bon moment de musique, aussi relaxant qu'épatant. Numéro 3, Céline Dion laisse une chance à une fan. Je ne rêverais pas de chanter aux côtés de l'immense Céline Dion. C'est ce qui est arrivé à une Brésilienne du nom de Maria Claudia en 2015 lors d'un concert de la chanteuse. Alors que Céline se mêle au public pour discuter et prendre des photos, elle rencontre cette fan et lui passe le micro pour chanter. Serait un euphémisme pour évoquer la réaction de Céline devant cette voix si extraordinaire. La Brésilienne déchire tout sur la chanson We Don't Say Goodbye de son idole. L'artiste est si impressionnée qu'elle demande une photo avec l'apprentie chanteuse en vrai fan. Numéro 2, Beyoncé surprise par la voix d'une fan. C'est lors de l'un de ses concerts que Beyoncé a découvert le talent d'une de ses fans. Alors qu'elle est en pleine performance de sa chanson Halo, Queen Bee tend son micro à une fan qui se trouve être au premier rang pour continuer la chanson. Et la jeune femme chante super bien. Beyoncé est un peu choquée, mais sincèrement ravie. Et elle la laisse profiter quelques instants de ce moment de gloire. Après sa prestation, l'apprentie chanteuse n'en revient pas d'avoir autant assuré devant son idole. Autant dire qu'elle se souviendra de ce concert toute sa vie. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Michael Bublé bluffé par un jeune fan. Dans le documentaire This is Michael Bublé, centré sur la vie de l'artiste, on découvre une séquence incroyable. Lors d'un concert de 2010, Bublé discute avec la mère d'un jeune homme qui veut absolument que son fils chante avec son idole. Her son turned 15 a couple days ago. That's very sweet. He's hiding. Il accepte un peu sous la pression de la maman et Sam, âgé de 15 ans, finit sur scène avec lui. Ensemble, ils reprennent la chanson Feeling Good et Bublé n'en croit pas ses oreilles dès les premières notes que chante l'ado. Sun in the sky. On aurait presque aimé qu'ils finissent le concert à deux vu leur talent. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.